Mais Seigneur, mais Seigneur, vous tous ici, répondez de votre honneur pour la gloire de notre duc François et de la jeune duchesse Marie de Bourgogne. Et au nom de la dame de ce pas, je vous remercie de l'amour que vous leur portez et proclame la bonne entente entre nos deux duchés. Vous tous ici avez combattu fidèlement au code de courtoisie et à ce titre, nous tenons à récompenser les plus valeureux d'entre vous. Nous désignerons le meilleur défenseur ainsi que le meilleur attaquant. Nous comptons sur l'assistance ici présente pour aider nos juges à désigner les vainqueurs de ce pas d'armes de notre belle dame à l'hermine. Messire, veuillez avancer à l'annonce de votre nom. Ceux qui récolteront le plus de faveurs de l'assistance seront désignés grands vainqueurs de ce pas. Je vous invite donc tous ici à applaudir chaque chevalier à la vue de la bravoure qu'il aura démontrée. Messire Loïs de Charny, vous qui avez dirigé les défenseurs de ce pas, merci de vous présenter à la foule. Parmi les défenseurs, vous avez pu voir combattre Messire de Penouette,